Pour la mafia, l'argent est synonyme de pouvoir. Et aucune organisation n'a fait plus d'argent que la famille Cotroni de Montréal. Durant 30 ans, elle a régné en maître absolu sur le monde interlope de la métropole québécoise. Mais vers 1980, les bouleversements survenus dans le milieu du crime organisé ont pratiquement détruit cette organisation autrefois très puissante. Le destin de la famille repose désormais entre les mains d'un chef qui n'a pas encore fait ses preuves, Franck. Le plus jeune des Cotroni tiendra les rênes de cette organisation bâtie si brillamment, avec pour mission de redorer son blason. Il étendra ses activités à l'extérieur de la ville et, ce qui est plus dangereux, à l'extérieur de la famille. Nous sommes dans les années 1960. À Montréal, la vie se passe la nuit, ce qui est idéal pour un jeune mafieux avide de faire ses preuves. Franck Cotroni, surnommé Le Gros, est un habitué des postes de police du nord de la ville. Il est en cela à l'opposé de son frère Vic, le génie discret et silencieux qui tire les ficelles du monde interlope de Montréal. Franck Cotroni n'était pas le criminel le plus distingué en ville. Il était très connu grâce à Vincent Cotroni, son frère aîné qui était là bien avant lui. Il a donc beaucoup profité de la réputation de son frère. Vic, un mafioso originaire des villages de montagne de la Calabre, en Italie, fait partie de l'ancienne école. Discret mais terriblement efficace, il s'est resté dans l'ombre. Depuis les années 40, Vic contrôle Montréal dans le plus grand secret. Franck est plus jeune de 20 ans. Téméraire et exubérant, il est issu d'un monde nouveau et différent. Je crois qu'on peut considérer Franck davantage comme un Canadien français que comme un Italien, car il était plus jeune que Vic. Vic était né en Italie, tandis que Franck est né à Montréal. Ce sont deux réalités différentes. Ils avaient les mêmes parents, mais ils avaient grandi dans des environnements totalement différents. Franck se comportait réellement comme un petit frère. Il agissait de façon très impulsive. Quand on allait voir Vic Cotroni pour lui donner un renseignement, on se faisait remercier de l'avoir fait. Quand on demandait quelque chose à Franck, on se faisait presque envoyer promener. Avec Franck Cotroni, on savait qu'on avait affaire à un gars de la mafia. Quand on avait affaire à Vic Cotroni, on avait l'impression de s'adresser au Premier ministre du Canada. Franck n'a pas besoin de faire preuve d'élégance lorsqu'il fait son travail. Il est l'exécuteur des basses œuvres de la famille Cotroni. Il dirige les gangs de rue, envoie ses hommes de main chez les mauvais payeurs et s'assure que le nom des Cotroni soit craint à sa juste mesure. La nuit tombée, Franck joue les crâneurs, entouré de gardes du corps, une danseuse à chaque bras. Il veut que tout le monde sache qui il est et ce qu'il fait. Franck Cotroni faisait la fête chaque fois qu'il sortait. Une fois, j'ai passé la nuit avec des policiers qui le suivaient dans les boîtes de nuit de Montréal. On a fait la tournée des places et chaque fois, c'était l'étalement du luxe et du pouvoir. Il dépensait généreusement et il payait à boire à tout le monde. Quand il arrivait dans un lieu, on savait tout de suite qu'il était là. Et il appréciait cette sorte de notoriété. Franck ne s'intéresse qu'aux affaires qui l'emballent. Il passera beaucoup de temps derrière les barreaux. Une condamnation pour vol par-ci, quelques années pour escroquerie par-là. Tout cela fait partie de la vie, pour celui que l'on surnomme le Gros. Un criminel compétent est un criminel qui ne se fait jamais arrêter. Et Franck Cotroni s'est fait arrêter de nombreuses fois. Franck est un mafieux qui vit chaque journée comme si elle était sans lendemain. C'est la raison pour laquelle son frère l'écarte en 1966, lorsqu'il se choisit un bras droit. Vic lui préfère Paolo Violi, un homme plus conventionnel qui lui ressemble davantage. Franck demeure libre de mener les opérations de rue pour le compte de la famille. La meilleure chose qui soit arrivée à Franck Cotroni, c'est de ne pas avoir eu ce poste. De cette façon, il a pu poursuivre ses affaires dans son petit monde criminel. Il n'atteindrait jamais le sommet, mais il aurait toujours quelque chose à faire. Il aurait toujours le temps de s'amuser et de faire des petits larcins. Franck Cotroni avait probablement plus de contacts que n'importe qui d'autre à Montréal. Mais il n'avait pas les aptitudes personnelles ni le charisme qu'un parrain de la mafia doit avoir.
ou peut-être n'avait-il pas eu la chance de le montrer. En 1973, de façon inattendue, Frank est placé sur le devant de la scène. Il est arrêté pour contrebande de cocaïne aux États-Unis. Au cours des 6 années suivantes, il apprendra auprès des grands maîtres au pénitencier de Lewisburg. Envoyer Frank dans ce pénitencier, c'était un peu comme envoyer un enfant surdoué dans une grande université. Frank était une personne affable. Il adorait faire la cuisine et il aimait rendre service aux gars. Il y avait un capitaine d'une famille de New York, un lieutenant d'une autre famille, et il a fait la connaissance de tous ces types. Au milieu des années 70, le pénitencier de Lewisburg est connu pour être un lieu de villégiature de la mafia. Il a hébergé tous les grands représentants du crime organisé, de John Gotti jusqu'à Jimmy Hoffa. Il y avait tellement de gars de la mafia à Lewisburg qu'ils avaient pratiquement une aile du bâtiment à eux tout seuls. Ils socialisaient et ils dirigeaient même leur organisation depuis le pénitencier. Tous les contacts liés à la drogue, au vol ou à n'importe quelle autre forme de crime étaient sur place. Si l'un d'entre eux avait une question, quelqu'un pouvait lui donner la réponse. C'était une véritable école du crime. Frank fait son apprentissage à Lewisburg et prouve qu'il peut être autre chose qu'un homme de main. Pendant que Frank apprend les méthodes du crime organisé à l'échelle internationale, un professeur se démarque des autres. Frank veut particulièrement attirer l'attention de Carmine Galante, un homme qui est en prison depuis le début des années 60, pour le rôle prépondérant qu'il a joué au sein de la French Connection. Je crois que Carmine Galante a eu une grande influence sur Frank Cotroni et sur bien d'autres personnes. Il est inutile de préciser qu'on ne plaisantait pas avec ce gars-là. Quand il prenait une personne sous son aile, il fallait qu'elle assure. Et ceux qui faisaient partie de l'entourage de Carmine Galante étaient pris beaucoup plus au sérieux. S'il était tellement respecté, c'est parce qu'il était un tueur psychopathe qui était reconnu pour être sans pitié. Il était terriblement craint par tout le monde. En 1974, Galante est libéré. Il n'a qu'un seul objectif, devenir le roi des parrains, le patron des patrons. Les membres de son entourage tireront leur épingle du jeu, mais peu réussiront aussi bien que Frank Cotroni. De retour à New York, Galante assure son retour au sommet en quelques mois, grâce à une quarantaine de meurtres. Il décide de relancer les anciennes voies de la contrebande d'héroïne de la French Connection. Ses alliés de Montréal, les membres de la famille Cotroni, sont prêts à l'aider. Montréal était un port d'entrée pour les États-Unis. Et c'était également une ville très attirante. Pour les trafiquants de drogue, Montréal a été pendant des années un lieu sûr où ils pouvaient expédier leurs marchandises. Il était plus facile de l'envoyer là, puis de l'acheminer jusqu'à New York par la route. Montréal était donc un endroit de rêve pour tous les trafiquants. En relançant l'ancienne route du trafic d'héroïne, les Cotroni reprennent une place de choix sur le marché international de la contrebande de drogue. Mais la famille est en état d'alerte, car elle est impliquée dans une enquête criminelle. La santé de Vic s'affaiblit et la police resserre son étau. Mais il y a pire encore. Le patron par intérim, Paolo Violi, ainsi que ses frères, qui lui servent d'hommes de main, sont assassinés par des ennemis au sein même de l'organisation. Après l'assassinat des 3 frères Violi à Montréal, on peut dire qu'il n'y avait plus de chef. Vic Cotroni était malade et les autres n'étaient plus dans les affaires. Il n'y avait pas de successeur. Après la mort de Violi, il ne restait plus grand-chose de la famille Cotroni. Elle était devenue une organisation beaucoup plus petite. Et la mafia sicilienne a pris le contrôle de la ville.
Frank ne peut aider la famille depuis la prison. Vic, son frère autrefois si puissant, est forcé de laisser la place à des familles rivales, des familles plus jeunes. Son univers avait changé. Il ne pouvait plus être la tête discrète d'une famille du crime organisé. Il était très visible. Les policiers faisaient tout pour le faire tomber. Une énorme pression pesait sur lui à cause des enquêtes de police et des témoignages qu'il devait aller faire en cour. Il avait perdu son aura et ce privilège d'invulnérabilité dont il jouissait auparavant. Frank va bientôt sortir de prison et le mouton noir de la famille devra sauver ce qu'il reste de l'héritage Cotroni. Tous ceux qui étaient du côté des Cotroni attendaient que Frank les relance, qu'il les remette sur le devant de la scène. Ils attendaient beaucoup de sa part. Il a téléphoné à Buffalo. Il a appelé d'autres familles. Et quand il a compris qu'il avait à peu près convaincu ces gens-là depuis sa prison, il a su qu'il pouvait devenir le patron. Frank Cotroni est libéré sur parole, puis il est extradé des États-Unis au début de l'année 1979. Devant les caméras, il montre sa fierté de revenir à la maison. Tous ceux qui attendaient de bouger et qui souhaitaient que les affaires reprennent ont compris le message. Il avait des liens avec les motards, il avait de très bons contacts avec des gens qui trafiquaient de la drogue de Colombie et il avait de très bonnes connaissances au sein des organisations criminelles canadiennes-françaises. Si la mainmise de Frank sur les activités de base se fait rapidement, son nouvel allié à New York progresse à un rythme effréné. Au cours de la dernière année, Carmine Galante a pris le contrôle de toutes les activités générant de l'argent. Avide de pouvoir, il s'autoproclame patron des patrons. Mais certains estiment qu'il est allé trop loin. Des changements importants se produisaient sur la scène internationale du crime organisé. La mafia sicilienne s'installait. C'était de vrais bandits, pas des petits groupes locaux qui s'étaient transformés en organisations criminelles. Ils étaient les poids lourds du monde criminel et rien ni personne ne pouvait se mettre en travers de leur route. Galante rêve du pouvoir absolu dont disposaient les anciens parrains. Mais la brutalité ne garantit pas l'invulnérabilité. Je crois que Galante est la preuve que lorsqu'on veut changer les choses dans la mafia, lorsqu'on veut écrire un nouveau chapitre, on doit tuer le gars que l'on veut écarter. On ne peut pas négocier avec lui. Il faut beaucoup d'intelligence pour diriger une famille. Et pour vivre longtemps dans cette famille, on ne peut pas seulement se faire craindre, on ne peut pas se contenter de tuer, parce que sinon, on finit aussi par se faire tuer. Carmine Galante est un excellent exemple de ce principe de base. Il était seulement craint, et un jour, quelqu'un l'a fait tomber. Après le meurtre de Galante, Frank Cotroni devient vulnérable à son tour. Il a perdu son meilleur allié, et son frère Vic s'est officiellement retiré des affaires. Frank sait qu'il doit envoyer un message clair pour faire comprendre qu'il devra être craint et respecté. Il fera appel à son instinct de chasseur pour obtenir ce qu'il veut. À la fin des années 70, les Cotroni sont menacés. La santé de Vic continue à se dégrader et les luttes intestines affaiblissent la position de Frank. Mais c'est la perte de certains bénéfices qui le poussera à agir. Il ne faut pas oublier que toutes les organisations criminelles n'ont qu'un seul objectif, l'argent. Et elles agiront contre les personnes qui les empêchent de gagner de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Michele Fatso Marion est la première cible de Frank. Marion a assassiné deux soldats de la famille Cotroni et lui a volé une importante source de revenus pendant que Frank était en prison. Mais à qui peut-il faire confiance pour effectuer le travail?
Il se tourne alors vers l'extérieur de la mafia italienne, vers un Canadien français qui n'a aucun lien avec ses ennemis. Réal Simard était le neveu de l'associé de Vic Cotroni. Il faisait donc déjà partie de la famille Cotroni grâce à son oncle. Il était donc facile pour lui de faire connaissance avec Frank. Il faut comprendre que Frank Cotroni était un Canadien français. Il est né à Montréal, dans un quartier francophone de la ville où il a grandi. Les gens avec qui il s'est associé par la suite, il les connaissait déjà et avait fait leur connaissance dans ce quartier. Simard a grandi dans le même quartier de la ville. Lorsque Frank le remarque, il a déjà fait de la prison pour des cas de vol de banque et d'extorsion. Au début, il l'a engagé comme chauffeur seulement, mais Simard était un égocentrique, quelqu'un de très fier. Vous savez, il arrive qu'un type soit engagé comme simple chauffeur, mais qu'il se comporte comme un garde du corps, comme un confident. L'amitié était une notion importante pour lui. Il savait s'occuper de ses amis. Il était très proche d'eux et très loyal. Âgé de 29 ans, Simard se hisse du rang de chauffeur à celui d'homme de main. Réal Simard a décidé très tôt dans sa vie qu'il voulait vivre ainsi. Et il s'est efforcé d'y parvenir. Et il a très bien réussi. Au cours de l'été 1980, Frank déclare à Simard qu'il est temps de lui faire franchir une étape supplémentaire. Michele Fazio Marion, l'homme qui avait volé Frank, sera la première expérience de Simard en tant que tueur de la mafia. Frank Cotroni enseigne les règles de l'art du meurtre professionnel à Simard. Il lui explique comment préparer sa cible, comment prévoir de nombreuses voies d'échappement et comment tuer sa victime de façon propre et sans bavure. Il faut pour cela prendre le temps de tisser sa toile et Frank lui explique qu'il ne faut jamais laisser un corps sans lui asséner le coup de grâce, une dernière balle logée dans la tête. Frank était un type rusé et il aurait pu s'ouvrir une école de formation au meurtre. Il aurait su enseigner comment suivre la trace d'un type et puis s'assurer de lui mettre une balle dans la tête pour être certain de sa mort. C'était le genre de choses pour lesquelles Frank était doué. Frank Cotroni avait besoin de gars comme Réal Simard afin de faire le sale travail. C'est normalement le rôle du soldat. Le patron donne les ordres et des types comme Réal Simard les exécutent. Simard surveille Marion jusqu'à connaître ses moindres mouvements. Son premier meurtre est réalisé sans aucune hésitation, de façon très professionnelle. Un tueur froid et sans pitié est né. C'était ce qu'il devait faire pour entrer dans l'organisation et il aurait accompli n'importe quoi pour y parvenir, y compris tuer des gens, ce qu'il a fait. Et tout le monde s'est intéressé à Réal Simard à cause de ce qu'il venait de faire pour l'organisation. Pour la mafia, le meurtre est la plus éloquente des preuves de loyauté. Et Simard prouve son allégeance à de nombreuses reprises au cours des années suivantes. Les gens que Simard a exécutés n'auraient pas hésité à le tuer. Il ne tirait pas sur des bonnes sœurs à l'église, ni sur des petites filles de bonne famille. Il tuait des gens qui avaient eux aussi les mains sales. Au cours des années 1980, Frank a démontré au monde interlope de Montréal qu'il ne fallait pas plaisanter avec la famille Cotroni. Simard est devenu l'homme de confiance de Cotroni. Ils s'appellent mutuellement oncle et neveu. Réal Simard a trouvé sa vraie famille.
Je crois que Simard avait un réel besoin de faire partie d'une grande organisation. Il avait besoin de quelqu'un qui lui serve de modèle comme un père. Et Cotroni aimait bien que des jeunes cherchent à s'inspirer de lui. Alors je crois que tous les deux trouvaient leur intérêt à cette situation. Le nouveau neveu et tueur de Franck est impatient d'éliminer les rivaux de sa nouvelle famille et les traîtres. L'homme qui tient les comptes de la famille est considéré comme l'un de ses principaux renégats. Michel Pozza est le génie financier du clan Cotroni depuis plus d'une décennie. Mais Franck le suspecte de jouer un double jeu et de tenir les Cotroni à l'écart des activités de blanchiment d'argent. Ils ont toujours eu le sentiment que Pozza en faisait plus pour d'autres organisations et ils le considéraient plus ou moins comme un traître. Mais Franck ne peut pas tuer librement quelqu'un de l'importance de Pozza. Même si son frère Vic s'est retiré des affaires, la bénédiction de l'ancien parrain est nécessaire avant de pouvoir s'attaquer à Pozza. Franck et Réal Simard se sont rendus chez Vic qui s'était retiré à ce moment-là. Quand Vincent s'est mis à parler de Pozza, il a dit à son frère de le suivre et à Simard de rester dans la cuisine. Ils ont alors parlé dans le salon. Quand ils sont revenus, ils parlaient d'un tout autre sujet. Puis, une fois dans l'auto, Simard était au volant et Franck, qui était assis à ses côtés, lui a dit « Michel doit s'en aller. Nous l'avons décidé ce soir. » Simard reçoit l'ordre de rendre visite à Pozza. Pozza est la cible d'enquêtes policières depuis des années à cause de ses liens avec la mafia. Il est sous surveillance quasi permanente. Mais Réal Simard sait que la police ne peut avoir l'œil sur Pozza en tout temps. Réal Simard est devenu un tueur extrêmement efficace. Mais contrairement à l'idée que l'on se fait d'un tueur, il n'avait rien d'intimidant. C'était plutôt un gentleman. Il pouvait souper avec un gars, faire des blagues avec lui en partageant une bonne bouteille de vin, puis le tuer avant de s'en aller. Michel Pozza n'a pas été assassiné parce qu'il était une menace ni parce que c'était un sale type. Il s'est fait descendre parce qu'il était un excellent comptable qui aimait travailler pour un grand nombre de mauvaises personnes. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux du crime, ils ne comprennent pas. Pourquoi s'est-on débarrassé de lui ? Malgré le fait qu'il appartenait à une organisation criminelle, on ne lui connaissait aucun ennemi. La réponse se trouve dans la serviette de Pozza. Son contenu va déclencher une série d'événements qui mettront Franck Cotroni et Montréal dans la mire de l'homme que la mafia redoute le plus. La nouvelle de l'assassinat d'un blanchisseur d'argent de Montréal se répand jusqu'à Palerme, en Sicile. Elle retient l'attention du juge Giovanni Falcone, un magistrat qui mène la lutte contre le crime organisé. Gigi Falcone était juge d'instruction. Il avait une stratégie. Il a déclenché l'attaque la plus importante jamais lancée contre les barons de la mafia des deux côtés de l'Atlantique. Je me souviens parfaitement de son message. Il disait que la mafia n'était pas une malédiction de Dieu. Il affirmait qu'elle était un phénomène d'origine humaine qui était né un jour et qui pouvait s'arrêter un jour. C'était sur cette conviction qu'il basait toute sa stratégie. Les documents trouvés dans la serviette de Michel Pozza arrivent sur le bureau du juge Falcone. Ce sont des pièces à conviction d'une importance capitale qui prouvent l'existence d'un réseau de blanchiment d'argent qui s'étend de la Sicile à Montréal. Franck fait désormais partie du réseau international que Falcone s'efforce de démanteler.
Ces documents étaient d'un intérêt extrême parce qu'ils prouvaient que des sommes d'argent transitaient d'un bord à l'autre de l'océan. Ils étaient la preuve que ce type de Montréal, qui n'avait l'air de rien, avait en fait de nombreux contacts et des liens très proches avec certains politiciens de Palerme extrêmement corrompus. À Montréal, Frank Cotroni ne réalise pas encore l'importance des documents détenus par Pozza. Mais il sait que son assassinat fait des vagues. Il fait sortir Simard de l'île. Il l'envoie en un lieu où il pourra se cacher tout en poursuivant l'expansion des affaires de la famille. Toronto a toujours été une sorte de prix à gagner. Tout le monde rêvait de la conquérir, mais personne n'a jamais pu l'obtenir. Je crois qu'il se passait pas mal de choses lorsque Frank Cotroni a envoyé Réal Simard à Toronto. La reconnaissance par Cotroni de l'importance de Toronto en tant que place d'affaires a été pour beaucoup dans ce choix. Il y avait beaucoup d'argent à faire là-bas. Il avait toujours gardé un lien avec Toronto grâce au trafic de drogue. Et je crois qu'il aimait tout simplement cette ville. Son nom y exerçait beaucoup d'influence. Il gagnerait sans doute en crédibilité s'il était à Toronto. C'est pour cette raison qu'il a envoyé Simard afin de préparer le terrain pour une prise de contrôle. Frank Cotroni utilisera ce nouveau territoire pour le trafic de drogue. Réal Simard paraît être fait sur mesure pour diriger les opérations. « Tu as l'air respectable », lui a expliqué Frank. Les gens te suivront. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il ne correspondait pas à l'idée que je me faisais d'un tueur. Il était calme et faisait preuve de sang-froid, oui, mais il était un véritable charmeur, grand, musclé. Il paraissait bien et il souriait facilement. Il était très amical. Le parrain de l'Ontario, Johnny Pops Papalia, est la première personne avec qui Simard prend contact. Johnny Pops a du mal à croire que ce charmant jeune homme a des relations avec le milieu, et encore moins avec la famille Cotroni. Lorsque Réal lui a mentionné qu'ils avaient un ami en commun, John lui a demandé de qui il s'agissait. Alors, il a mentionné Frank Cotroni. Papalia l'a regardé de haut et lui a dit « Toi, tu connais Cotroni ?» Comme Réal me l'a ensuite raconté, il lui a répondu « Oui ». Et Papalia lui a dit, alors on va traverser la rue et on va lui téléphoner tout de suite. Après cet appel téléphonique, Réal est devenu le meilleur ami de John, parce qu'en fait, il représentait Frank Cotroni. Cela m'a fait comprendre qu'en matière d'influence, Frank Cotroni avait un certain ascendant sur John Papalia. Simard emménage dans un hôtel haut de gamme de Toronto. Il change de nom et devient un entrepreneur tout ce qu'il y a de plus légal, fournissant des filles et ses connaissances en marketing à des dizaines de boîtes de danseuses de la ville. Il s'est rendu compte que ces boîtes pouvaient être gérées davantage comme des entreprises. Beaucoup d'entre elles étaient dirigées comme des anciens saloons. Il avait vu comment ça fonctionnait sur la rue Sainte-Catherine à Montréal et il estimait qu'il y avait une meilleure façon de s'y prendre à Toronto. Les gens, selon lui, étaient prêts à payer beaucoup plus, alors il fallait viser la clientèle haut de gamme. Simard fait son rapport à Frank. C'est incroyable tout l'argent qu'on peut faire ici, mon oncle. Ils ne sont pas organisés à Toronto. Il suffit de conserver une image respectable et on va faire des affaires d'or. Mais Simard n'est pas assez discret. Les policiers font rapidement le lien entre cet étranger exubérant et Frank Cotroni. Ils envoient un rapport secret au ministre de la Justice de l'Ontario afin d'exprimer leurs préoccupations face aux intérêts grandissants de la famille Cotroni à Toronto. D'un point de vue policier, la danse à seins nus était une chose. Ce qui intéressait la police, c'était les autres activités criminelles qui gravitaient autour, les activités liées au trafic de drogue. Les filles faisaient constamment la navette entre les deux provinces, travaillant de taverne en taverne. Elles constituaient un excellent réseau pour transporter de la drogue, ou tout ce qu'on voulait, comme de la fausse monnaie ou des articles volés. Mais toutes ces activités paraissent en règle. La police ne parvient pas à prouver l'existence d'un lien entre la drogue qui entre en ville et Frank Cotroni. Frank est le personnage le plus important avec qui j'ai eu à traiter. Un jour, je l'ai rencontré dans la rue et nous avons parlé.
Il m'a dit, « Mario, tu ne m'attraperas jamais parce que tu sais, je vais quitter ce milieu. » Je lui ai alors répondu, « Frank, tu ne pourras jamais faire ça et je t'attraperai un jour. » Ça faisait partie du jeu. Au cours des années 1980, Frank ressemble davantage à un homme d'affaires qu'à un mafioso, à l'image de son frère Vic, toujours très discret. Il réussit à sortir son organisation de sa fâcheuse position, mais il commet une terrible erreur. En moins d'un an, le neveu de Frank Cotroni a étendu les activités de la famille liées à la contrebande de drogue à la plus grande ville du Canada. Il faut maintenant protéger cette conquête. Lorsqu'un autre réseau de trafiquants canadiens-français se met à s'intéresser aux richesses de Toronto, les instincts de Réal Simard reprennent le dessus. Mais Simard oublie la règle principale et omet de donner le coup de grâce. Il laisse l'une de ses victimes, Robert Etu, encore en vie. Lorsque c'est arrivé, j'étais à Toronto dans les bureaux de la police provinciale de l'Ontario. J'ai dit à l'officier qui était avec moi que je voulais aller voir ce type à l'hôpital. Je ne connaissais pas Etu, mais lui me connaissait. Alors, dès que je suis entré dans sa chambre, il m'a reconnu, même s'il était branché de partout. Avec son corps, il m'a fait comprendre qu'il avait quelque chose à me dire. Alors, j'ai commencé à lui poser des questions. Et j'ai fini par comprendre que l'un des gars qui lui avait fait ça était Réal Simard. Les policiers découvrent assez rapidement qui est exactement Réal Simard. Ils ont soudain une piste sérieuse qui leur permettra de pénétrer au cœur de cette importante famille de criminels. Si les policiers de Montréal avaient voulu faire tomber l'organisation de Frank Cotroni, ils auraient placé un gars comme Réal Simard dans la famille. Ils auraient encouragé Frank Cotroni à engager un gars comme Simard parce qu'il était quelqu'un qui se donnait en spectacle et qui cherchait à impressionner. Mais il n'était pas aussi solide qu'il le prétendait. C'est la raison pour laquelle, quand il a été arrêté, il a eu l'impression que toute sa vie s'écroulait. Les policiers croient qu'ils peuvent convaincre Simard de dénoncer la famille Cotroni. En Sicile, le juge Giovanni Falcone, de son côté, a trouvé son informateur. Tommaso Buccetta, un baron international de la drogue, devient délateur après l'assassinat par une bande rivale de 14 membres de sa famille, femmes et enfants compris. Tommaso Buccetta a ouvert les portes sur le monde secret de la mafia comme jamais auparavant. Lorsqu'il a décidé de devenir informateur, il a révélé tous les secrets de la mafia, sa structure, sa mentalité. Les preuves apportées par Buccetta font des ravages. Un gigantesque coup de filet permet l'arrestation de 800 mafiosi et d'innombrables policiers et politiciens corrompus. Falcone dirige une série de méga-procès épuisants où des centaines d'accusés enfermés dans des cages spécialement construites pour l'occasion passent leur temps à siffler et à cracher. Falcone était le symbole de la lutte contre le crime organisé. À l'époque où il exerçait la magistrature en Sicile, il était heureux de voir la réaction de la foule. Il avait l'habitude de dire « Les gens nous soutiennent. Nous changeons la façon de percevoir la mafia. Les gens commencent à se rendre compte des répercussions de la mafia dans la vie de chacun. » En 1987,
Falcone a déjà gagné 338 procès contre des mafiosi siciliens. Leur condamnation totalise le chiffre astronomique de 2665 années de prison pour des crimes allant du complot de nature criminelle jusqu'au meurtre. Les révélations explosives de Buccetta ont des répercussions jusqu'à Montréal. Disposant de renseignements et à la recherche de failles dans le monde secret de la mafia, le juge Falcone se rend à New York et à Montréal. Grâce aux aveux de Buccetta, le magistrat italien déclenche des procédures contre chacune des grandes familles criminelles, y compris la famille Cotroni. Mais il ne peut atteindre Vic Cotroni. L'ancien parrain s'éteint à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer. Lorsque vous faites partie du monde du crime organisé, que vous décédez dans votre lit, c'est parce que tout le monde vous respecte. Ceux qui n'ont pas le charisme nécessaire pour avoir ce respect meurent d'une mort violente. Mais Vincent, lui, a eu le respect de tout le monde lorsqu'il a fait partie de l'organisation. C'est probablement pour cette raison qu'il a pu mourir tranquillement dans son lit. Ses funérailles sont les dernières organisées pour un grand chef de la mafia. Elles constituent un hommage à l'homme qui a bâti, puis dirigé, l'une des plus prestigieuses familles criminelles d'Amérique du Nord. Il suscitait tellement de respect de la part de l'ensemble du monde interlope du Canada. Des hommes sont venus assister à ses funérailles depuis l'Ontario, d'autres de partout aux États-Unis ou encore de l'Italie. Ils avaient perdu un grand ami et un patron exceptionnel. Ils étaient venus dire au revoir à Vincent Cotroni, mais en même temps, ils étaient conscients que cela signifiait la fin d'une époque. C'était la fin d'une époque, mais nous avions encore certaines cibles à atteindre. Et ma cible à moi, c'était toujours Frank Cotroni. La police n'a jamais pu obtenir de preuves sérieuses contre Frank. Mais le juge Falcone fait parler Buccetta. Et à Montréal, les policiers croient qu'ils ont maintenant leur propre informateur. Je connaissais cet homme. J'avais écouté des enregistrements électroniques pendant des années. Je surveillais ses faits et gestes et j'avais des enregistrements vidéo de lui. Je savais comment il se comportait. Je connaissais bien l'homme. Pour pouvoir arrêter Frank, la police mettra la pression sur Réal Simard. Réal Simard moisit en prison, risquant une condamnation à la prison à vie pour meurtre. Il fait face à un choix difficile. J'ai écrit un article dans lequel j'expliquais que Réal Simard était très gênant pour la famille, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il témoigne contre Frank Cotroni. Mais à ce moment-là, tout le monde en ville me disait que je me trompais, que Simard était un gars solide et qu'il ne trahirait pas Cotroni. Lors de notre première conversation, il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire ça, qu'il ne le ferait jamais. Alors je lui ai répondu qu'il allait être condamné pour meurtre et qu'il ferait 25 ans de prison. Je lui ai dit que quand il sortirait de prison, je ne ferais plus partie du service de police depuis longtemps et qu'il serait un vieillard. Je lui ai expliqué que c'était sa dernière chance. Je crois que Réal Simard était quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré. Je crois qu'il avait besoin de sentir qu'il faisait partie de quelque chose. Je crois aussi que c'était quelqu'un qui avait besoin de donner un sens à sa vie. Si sa vie prenait un sens en étant un bandit, alors il serait un bandit. Et si elle prenait un sens en aidant la police, alors il aiderait la police. Après 8 mois, Simard finit par craquer. Il avoue 5 meurtres et se prépare à dire tout ce qu'il sait sur les activités de la mafia au Canada. «
Frank Cotroni est désormais terriblement menacé. Les policiers l'obligent à confronter Réal Simard. Nous avions un scénario en tête et nous voulions placer les deux hommes ensemble. Nous voulions connaître la réaction de Frank et voir ce qu'il allait se passer. En quelques secondes, Frank réalise que l'impossible s'est produit. Réal Simard l'a trahi. J'ai interrogé beaucoup de gens dans ma vie, et vous savez, je peux lire la stupéfaction dans leurs yeux. C'était très difficile à accepter pour Frank, parce qu'il devait être convaincu que nous n'avions aucune preuve contre lui. Je crois que Réal Simard a réellement blessé Cotroni. Les criminels ont des émotions, comme tout le monde. Mais je crois que la notion de loyauté chez ces gens-là fonctionne mieux au cinéma que dans la rue. Selon moi, si ces types recherchent de la loyauté, ils feraient mieux de s'adresser à leurs enfants ou à leurs chiens. Ils ne l'obtiendront pas de la part de leurs collègues. Frank Cotroni est arrêté, puis accusé de meurtre. Il a été trahi par son homme de confiance, celui qu'il considérait comme son propre neveu. Recruter Simard a été une bonne chose, mais lui donner les ordres en personne a été une erreur. Si Frank avait placé des intermédiaires entre Simard et lui, il ne serait probablement pas allé en prison. Ce qui est arrivé à l'organisation de Frank Cotroni, ce qui est arrivé en Italie avec Tommaso Buscetta et les autres, tout cela fait partie d'une nouvelle tendance chez les criminels, qui préfèrent maintenant négocier avec les autorités plutôt que d'aller en prison. Le désarroi de la famille Cotroni est à l'image des problèmes à plus grande échelle qui secouent la mafia sicilienne. Le juge Falcone a fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'éliminer. Mais la mafia se montre résistante. L'argent et le sang attirent une nouvelle génération de criminels. En 1992, elle savourera une douce revanche. Le juge Falcone servira d'exemple. C'était un moment très triste. Je suis allé en Italie pour voir ses restes et sa voiture. C'est sans doute l'un des moments les plus tristes de ma vie. Il était comme un frère, il était une source d'inspiration pour moi. Mais je savais que c'était son destin et qu'il courait vers sa mort. Lorsque toute l'organisation de la mafia s'est retrouvée sous les projecteurs, les gens ont changé d'attitude. Ils ne considéraient plus les mafiosi comme des hommes d'honneur après l'assassinat du juge Falcone. Durant trois décennies, la famille Cotroni a régné sans partage sur Montréal. Mais aujourd'hui, il ne reste presque rien de cet empire. Frank a échoué dans sa tentative de replacer sa famille au sommet. Il avait le respect de beaucoup de Canadiens français, mais pas le genre de respect qu'un véritable parrain doit avoir. Respect is the most important. And if you have that, you won't have people ratting out on you. Le respect est ce qu'il y a de plus important. Voyez-vous, la chose principale dont les patrons de la mafia et les gens du crime organisé doivent se méfier, ce sont les gens de leur propre équipe qui n'hésiteront pas à les dénoncer si cela sert leurs propres intérêts. Voici donc l'histoire de sa vie criminelle. Les gens de la vraie mafia n'impliquent jamais quelqu'un qui ne vient pas de chez eux. Si l'on regarde tous ceux qui étaient autour de Frank durant toutes ces années de liberté et de vie criminelle, la plupart d'entre eux étaient des bandits d'origine canadienne-française.
Et si l'on creuse dans l'histoire de la mafia, ceux qui en font partie proviennent toujours de la famille. Frank Cotroni a fait l'amère expérience de la trahison. Réal Simard disparaîtra par la suite grâce au programme de protection des témoins, tandis que Frank méditera sur son sort en prison.